septembre 1990. Les enquêteurs avaient enfin un indice solide. Mais cela ne pouvait qu'une chose. Oui, je mange. Et la fille TikTok. Ça, c'est une grande dame. Non, mais pas honte. Vraiment. Geiger questionna des prostituées autrichiennes. Elles reconnurent que l'interrogateur était un client régulier et qu'il exigeait d'elles qu'elles soient menottées au cours de la relation. De façon. Vous dites, vous êtes des grandes dames. Des autres sociétés. Appelle-moi un peu plus que la clash ici. Tu n'as pas honte, hein. Moi je te respectais, je ne te respecte même plus. Tu n'as plus aucun respect avec moi. Mais c'est pour les condiments, hein. Mets-toi ta place. Tu fais quoi avec les faux profils? On t'insulte partout, partout. Pursuis la classe. J'ai dit, hein. Tu fais quoi avec les faux profils? Hein? Une femme de ton calibre? Hein? Tu n'arrives pas à dormir, tu n'as pas de mari aussi. Moi, je te passe ce matin. Enlevez-moi, précise la classe là. Respecte-moi ta patronne. Quand même. Hein? Un des détectives trouva des reçus dans une poubelle. C'est quoi avec toi? Il provenait d'un restaurant de fruits de mer à Malibu. Tu es partout. Une femme qui a un établissement à Londres comme toi. Qui a de l'argent. Qui a tout. Hein? Toujours. Il y a tout de fouma. Avec les indices étaient trop minces pour permettre aux détectives d'obtenir un mandat d'arrêt. Ils durent abandonner l'enquête. Encore une fois, Jack Unterweger avait une longueur d'avance sur eux. Pour l'arrêter, Geiger devrait obtenir la participation d'enquêteurs plus expérimentés en matière de tueurs en série. Il contacta le FBI. Des enquêteurs autrichiens se rendirent à l'ambassade américaine. Ils y rencontrèrent l'attaché Julian Slisko, un agent du FBI qui travaillait à partir de Vienne. Slisko entra en contact avec le service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. L'agent Greg McGrady fut son appel. McGrady est maintenant à la retraite. Il a cependant passé les 10 dernières années de sa carrière à mettre sur pied le service des sciences comportementales du FBI. Arrêtez là-bas. Entre moi chez Ngossa. Tu es là-bas chez Ngossa. Chaque jour, tu commandes chez Ngossa. Tu es à moi la chef, tu commandes. C'est frère, je dis, tu commandes. Maman, ne te mets plus. Je vais te voir, je te mets tous tes condiments là. Tu es trop méchant. Tu peux le faire, non? Mais Grégory, il les aiderait d'abord à établir si tu es responsable de tous ces meurtres. Partout. C'est quoi? Un personne de la classe vient d'asseoir ici. Moi, je m'en fous. Respecte ton rang. C'est vous qui aimez les titres, non? Les rangs sociaux. Eh ben, zé, 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 zé. Moi, je mange, je viens de finir là-bas à TikTok. Maman, tu ne fais pas même que pitié. On t'insulte partout. Tu pars chez Ngossa. Tu pars chez Rang Mendio. Nous, on est à Facebook. On voit comment tu sais bien. Hein? Tu joues alors quoi avec un cam? En tout cas, c'est entre vous là-bas, les gars, de ça. Moi, je moi, j'aime tes condiments parce que tu es des bons condiments. En dehors de ça, il y a quoi? Moi, je mange le matin. Après, je dors. C'est comme ça. Tu es là. Un sale faux profil comme un sale couillon de que la cam. Moi, j'ai des une fille qui aime ma pépé, qui aime ghostit. Même si c'est un cam, on commence la guerre. Ah ouais. Quand même, elle, c'est leur guerre, c'est sa personne, j'accepte ça. Un faux profil qui me suit et qui met la photo d'un camp de Gospit. On va voir ça. Regarde-moi le partage de Claude Dakar.
Depuis des années là, il y a les faux profils. Les faux profils. Il y a l'argent. À TikTok. Guillemin est acheté là-bas avec les Nivacrins à TikTok. Ils gagnent l'argent là-bas, ils font leur petit. Même pas, même si c'est pas beaucoup. Ils gagnent quand même. Toi, tu gagnes quoi? En mettant les photos des gens. Tu n'as pas honte, une vieille prostituée comme toi. Elle vit là-bas dans les mariages, elle vit là-bas, c'est un bâton rouge, à la Luzanne. Une vieille femme Yaoundé. C'est quoi? Elle est partout. Les leaders. Quel leader? Les leaders, tiens, on doit. Mais comment? C'est comment? C'est pas comme ça. Mais tu n'as qu'à celle là. Oh, j'ai mon restaurant à Londres. Oh, j'ai l'argent. Elle entend tous les trucs. Elle commence à chupinette. Elle commence à mon achève. Oh, ma yam, ça, oh. Elle commence partout. Elle commence à ngosa. J'aime ton gosse, mais c'est la classe. Mais va t'asseoir là-bas. Va continuer là-bas. Tu joues à quoi? Oh, vous jouez, c'est pas toi qui le tue. Il y a une combien de fois que c'est la classe. Ou une fois ou combien de fois. On s'est dit là-bas, le jour de tout là. Tu es avec ton coup frère là. Tu fais la boxe là. Tu es faux. Très bien. Papa, il faut dormir un peu. Tu as l'air avec qui? Ma pépé. Bien. Il y a des gens qui aiment ça. Monsieur qui? Je te bloque. Je veux te voir faire à vous. Tu n'as pas aussi envoyé les produits de nous. Les produits de tout le monde. Il faut aussi envoyer Angosa, non? Comme ça, Angosa va te faire la publicité. Mais en plus de ça, ton truc c'est bon, hein. Ton truc que tu vas donner est bon, hein. Ça c'est vrai, hein. Eh oui. C'est combinaison. Et moi, on a baissé, mais. On a pas même commandé le bâtard. Il est là, fait pour avoir son truc rose là. Que d'accord. Une vieille ma terre. Elle est vieille, hein. Va retrouver tes amis. À TikTok. Sauf qu'à TikTok, on parle, hein. On entend la voix des gens, tu parles, hein. Une vieille mère, qu'est-ce que tu as dans la bouche? Moi, je ne t'aime pas. Et je vais te bloquer tout à l'heure. Tu ne me sers à rien. C'est la case là. Oh, elle a pêché. Elle parle avec à moi la chèvre. Mais là, on insulte à moi la chèvre. Elle vient. Tu joues à quoi?
Moi, je regarde tout. Tu aimes trop ça. Le jour de la soirée, je ne t'ai pas vu, ça hein. Les gens qui sont souvent faits pour activer. Vous avez pour activer la reine dans les derrière. J'aime beaucoup ça. Vous les mettez trop, mais quand vous la saluez pas. C'est quelque chose, hein. Ben oui. Vous jouez à quoi? Ma pépé. Ne vous bloque pas. Que je vois une personne qui me défie là. On vous mette sa photo. Vous partez. Et vous allez me mettre après. Parce qu'elle va d'aille. Elle va d'aille bientôt. C'est moi qui vous dis. La honte va la tuer bientôt. Bientôt. Et du n'importe quoi. Donc ça c'est qui? Donc ça c'est des potes avec quoi? Une femme que ses nièces la reconnaissent. Ouais, Ngosa. Elle pas des enfants comme ça accouché. Elle pas de couple comme ça, j'ai été en couple une fois. L'autre là-bas avait acheté couple de quoi. Mais non, l'autre c'est couple de. Je voulais de whisky. Il faut pas son pauvre, mais ils doivent faire. La mère, quand même. Et peut-être s'accumuler. Que ça va même s'accumuler jusqu'à ce n'est pas bon d'être une bande d'idiots. Un enfant qui vient me dire bonjour, on va porter plainte pour ça. Amen, quand même, où sont les poulets? Je ne peux aller à Mandouma depuis, hein? Depuis quand Moubolinga, j'avais bien dit que les poulets c'est pour Moubolinga. Pas au Cameroun, non. Laisse s'asseoir, Facebook. Je suis là qui veut prendre le pouvoir là-bas. Le pouvoir même dans quelle tribu? La tribu de Dana. Tu es devenu musicienne, tu es musicienne, ou bien tu es devenu clasheur. Ouais. Si tu ne monétisais pas ma page, tu vas être honnête de te connaître. Donc, je suis là. Tu as monétisé la page d'une grande star. Et tu as fait des problèmes toi-même. Maintenant, tu connais. Quand tu t'as fait, c'est moi, je vais malheureux. Ça fait pas un coup là. Les autres sont sortis ici. Je sais où.
N'oublie pas que papa Marianne t'a quand même trouvé en toi. J'étais trouvé en toi. Mais oui, et je voulais dire que c'est moi. Si ce n'était pas moi, tu serais encore dans le foyer des femmes battues. On a dit que va travailler. Les enfants ne peuvent pas vivre. On a trouvé la bonne attendant. Les enfants, tu dois avoir deux chambres, pas une chambre. Il ne faut pas que ma mère commence les enfants. Allez là-bas, allez là-bas. Tu veux faire le direct. Eugénie Bias, tu n'es pas la bienvenue ici, d'accord? Au revoir. Avec ton déré pourri. Dégage. Seul que vous asseyez une aile. Vous m'asseyez une aile. Hier, quand j'ai mangé ça, c'était pas bon comme ça. Les toussiers, les aussi. Je sens ça. On peut mettre la douche comme ça. On m'a donné votre nom, hein, moi j'ai rien. Quand je mange ici, tu regardes tous les tapis. J'étais dit, c'était trop bon. Parce que moi, j'aime bien manger. Non, le matin, si je ne mange pas comme ça, je ne suis pas bien. Pardon. Oui, je suis habitué à manger le matin. Oui. Je fais les œufs. Et tous les œufs là sont accompagnés du bacon, de fromage, un tout bien consistant. Il n'y a pas de saucisson. Mon corps est habitué comme ça. Et là, après, je fume ma cigarette. Je tire ma couverture, je dors. Elle n'est pas belle la vie, ma. Dans le calme comme ça, là, je me demande, je me casse les oreilles, qu'on sort toute la journée, fait 6 jours de voir. Quand elle rentre, c'est pour me raconter les histoires qu'elle a vécues de voir. Alors que toi, tu as envie de dormir. Est-ce que c'est bien? Donc, ici la classe, elle est jouée. Tu es là-bas avec Claude Acam. Vous êtes là-bas chez Ma Pépé. Il faut voir l'on conduisait chez Ma Pépé. Tout après la tête, tu as l'on conduisait chez Ma Pépé. Tu l'as conduisé chez moi un jour. Tu continues que les condiments. Et que tout le monde qui aime Ma Pépé, ou c'est Ma Votre Ma Pépé. C'est qui a raté sa vie, c'est qui va entrer dans la famille des gens là. C'est votre problème. Je n'ai jamais vu la carte de Derenci. Ma mère, tu prends. Tout, tu insultes.
Parce que tu défends qui? Ton président. Je vais avec moi, Kouyakouya, Odey. On veut rentrer. Mais on fait ceci. La petite fille de Raymond entre et mange. Elle me reconnaît, elle dit, maman, nous. C'est celui qui fait toutes les photos, qui fait tout ça. Mais, tu es tellement énervé que ce sont tes enfants. C'est tout moi qui aime bien là où tu es dans le noir là. Ces enfants ne te diront jamais bonjour un jour. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Tu as pris Amélie, la forme de gritation, tu as donné l'an 2000. Oui. C'est Sanga actuellement. Il y en a d'autres. Et tu sais qui est ma soeur? Je suis au courant, hein? Tout le monde est au courant. Que ça a dit qu'il y a dans l'an 2000. Tu as appris Amélie? Oui? Que y'a Amélie y'a tort? Tu sais que ça aime là où elle profite? Elle aime là où elle. C'est sorti. Le Cameroun est petit, non? Tu vois que le Cameroun est petit. Quand vous faites vos bêtises là, les gens sont là. Hein? Quand vous faites vos bêtises là, vous savez bien. Oui, voilà notre problème que moi je parle. Comprends? Voilà Ngossa. Ngossa a donné la mairie à l'an 2000. Hey! Parce qu'elle veut tuer ma soeur, elle veut que je m'éloigne absolument de ma soeur. Pour que ma soeur ne soit pas. Ma soeur va être au courant. Je vais entrer dans le forum familial aujourd'hui. Ce que vous voulez faire là. Que l'autre y a une nièce à l'an 2000. Tu as fini avec l'an 2000. Maintenant, tu, maman, par la façon que tu traites ce type là. Ou bien il t'aime même pas à part. Ou bien tu appelles prestige. L'an 2000, je préfère qu'il reste même avec moi. Ou bien avec même avec Fleur de Lille. Là-bas, c'est la prestance. Tu vas rester avec une camionneuse. Une voleuse. Une femme qu'on tape tous les jours. Qu'on repasse. Une femme qui insulte la maman. Tu es parti dire comme quoi. Que c'est ma mère. Qui a chassé la mère de Bilal, alors que ce n'est pas ma mère. C'est la troisième femme qui chasse tout le monde. On lui laisse alors avec les enfants. Elle n'arrive pas à gérer les enfants qui sont petits. C'est elle qui demande à mon père que va chercher ta soeur là-bas. Boule là-bas, viens que je laisse là-bas parce que moi, je m'appelle Ramatou. Une bamboune. Elle était brune là-bas comme la banane. Elle ne voulait rien faire. C'est ma mère qui s'occupe de tous les enfants. Quand elle a plus de moi, elle dit, elle dit, Beko, je suis dans la chambre, hein. Vous connaissez les maisons du Nord, là, c'est fait avec les tapis, ça. On était là-bas au Nord, à Makari, au Lac Tchad. Tu me parles, moi, Gospit. C'est ma mère qui est venue garder les enfants. Il y a un petit garçon qui est mort. Il est mort de quoi? C'est ma mère aussi qui a tué. Il faut aussi ajouter ça sur ça. Parce que Mireille, Ngandé, quand tu parles les choses à Raymond, il faut faire très attention. C'est la femme Bamoui qui a chassé toutes les femmes. Quand ta mère est partie, jusqu'à. Elle n'est plus jamais venue vous rendre visite un jour. Jamais. Je n'ai jamais vu ta mère venir vous rendre visite. Jamais. J'ai jamais vu la carte de cruauté là. Je veux que tu parles. Ma mère a tout fait jusqu'à ce que ma mère épouse elle n'est plus que moi. Ramatou était là. Elle c'était seulement pour la nièce, la baroune. Elle n'a couché pas, elle était belle plume. Maman Ramatou. Les baroune sont, quand elle danse les choses là, elle met la musique de chez eux, elle chante, elle faisait comme un coquet. Elle faisait elle tire comme ça, elle tirait comme ça. Oui. Maman. Elle était tout petit. On regardait comment elle dansait. Tiens. Quand elle couchait avec tous les. Je dis que tous les gens de maman. Mais maman était là. C'est elle qui s'occupait des enfants. Donnait à manger. On buvait les laits de vache, les laits de la chèvre. De tous les matins.
pour aller à l'école coranique. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais je vais te dire une chose. Mireille, tu racontes les choses à ton mari en mentant. Voilà pour ça que toi et moi, tu resteras ma soeur parce que je n'ai pas le même sang que toi, comme vous savez le dire. Moi, tu as connu mes hommes. Tu n'as jamais vu mes deux hommes soient à mort. Trois hommes soient à mort. C'est juste ce qui sait pourquoi tous meurent. Aucun homme n'est jamais fait le constat de mon nom, de ton nom. Mais toi, tu ouvres ta bouche tout le temps pour raconter des choses de la famille, des mensongères à ton mari. Et ton mari raconte qui? À sa pute qui est qui, une grosse pute. Moi, je suis un cœur. Et il y a plus de baiser avec les chiens. Avec moi, c'est l'histoire sans fin. Parce que quand je pense à ça, voilà votre petite fille là. Le père ou la maman ou pour accompagner l'enfant dans ses contrats. Vous n'êtes pas là. Mais vous avez la gloire que oh, mon enfant est international alors qu'elle se bat tout seul. Elle a faim, elle a soif. En tout cas, ça a commencé à Facebook. Moi, je suis européen. Parce que j'ai l'impression que les gens me traitent comme si j'étais une moins que rien. Merde! Viens qu'on comme ça. Regarde-les-moi. Regarde cette grosse pute. La cendre. Elle est déjà morte depuis. Elle dit que je n'ai aucun lien de parenté. Donc elle a le lien de parenté avec le monde. Est-ce que Canaël c'est ton enfant ou ça? J'ai dit que toi et moi, chaque fois que je me lève, quand je veux penser à toi, Canaël c'est ton enfant? Ah bah oui, elle t'a eu. Hein? Là voilà qu'elle adore faire son vidéo. Oh ma fille, adore-toi. On va adopter mon enfant. Putain de bordel, tu sors dans quel tour de Courmayeur toi? Petit pétasse à la noix. Tu sors d'où? Parce qu'il y a un problème. Que la fille, maman? Et là, Jago, elle dit, bah, c'est mon papa qui gère tout ça. Moi, je vais me marier. Je vais faire un mariage continu au Cameroun chez mon papa. Hein. Tu crois que monsieur Ngoza part, c'est peut-être que tu pars au mariage là. Toi, si. Tu vois, tu as vu d'élever aussi l'enfant de tuer. Aujourd'hui, l'enfant dit que c'est son père qui gère tout. Profiteuse, elle regarde que l'argent. Il faut voir la tête, ma fille. Ce n'est pas ton enfant. Tu es une mère nourricière. Chienne va. La dernière des dernières. Voilà ma part là-bas, elle aime ça. La journée là où je vis, moi, dans mon petit bungalow. Tu sais combien m'a pris de mon compte hier? 2300 euros. Je m'appelle là, j'attends 11 heures pour aller réclamer. Et je veux voir là où c'est passé. Parce qu'ils n'ont pas le droit de laisser que les choses passent dans mon compte. Regarde-moi celle-ci. Tu ne veux pas vivre normalement comme tout le monde. Ok. Chacun a des problèmes. Et puis elle a tellement gonflé. Vraiment. Une femme qui t'insultait le mari, t'insultait, insultait mon président, insultait sa femme, ses enfants. Toi qui? Toi qui me spute. C'est ta famille. Tu crois que la petite femme peut te voir? Elle vient, aujourd'hui, elle écrit quoi? Qu'elle remercie tout le monde, elle voit ce soutien qu'elle a, elle remercie tout le monde et tout. Demande-la, quand elle dit, aujourd'hui, je vais encore mettre sa photo dans ma page. Tu vas venir faire quoi? Donc, me porter sur plainte parce que j'ai. Donc, va me porter plainte parce que. Après, j'ai salué ma fille qui venait me saluer. C'est ma fille! Que ça te plaise ou pas, comme ça? Cherche ta famille, laisse ma famille tranquille. L'an 2000, c'est mon beau-frère. Même comme là, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, mais sa progéniture me connaît. Voilà un problème. Elle va te connaître. Ma soeur va te gifler aujourd'hui. Elle a dit ça. Elle a. Là, maintenant, que tu as pris maintenant une femme, elle me l'a donné à l'an 2000. Wombo. Elle est au courant. Hein. Et c'est vrai. Coucou, la blague du tissu, c'est comment?
Elle est très mignonne. Là, les photos, elle est toujours à côté de moi, non? Toujours parce qu'elle a reconnu sa tante. Toi, tu viens parler des choses à Facebook. C'est moi qui ai pris les photos? Non. J'allais faire comment, la petite fille, elle vient avec moi. J'allais faire comment? Là, j'ai jeté devant tout le monde. J'allais vous-même à cette, maman, j'allais faire comment vous-même? J'ai fait ce que maman doit faire. Bon, ça, tu vas passer devant, elle ne peut même pas te saluer. La preuve, tu es parti au mariage. Ça va, je suis là. Je dis, tu es parti au mariage. Les billets d'avion, maman. Tu es rentré devant avec les billets. Avec le titre de 2 plus 3 égale 23, tu as oublié. On ne t'a même pas, on a dit qu'on ne veut même pas te voir au mariage. Il y a ni. C'est le mariage de Calais que tu vas partir. Si je pars, je vais porter large bord, je pars aussi. Il n'a ni. Ben depuis, je suis ici depuis. J'ai ouvert ça depuis, j'ai ouvert ça. J'avais dit Warus. Mais, oui. Ma page même, influencer pour l'État revient samedi ou dimanche. Maman, regarde, j'allais faire comment? C'est lui qui me dit que, mais, veuve, il y a une petite fille qui vient d'entrer là. Ce n'est pas la fille de l'an 2000 ici. Ce n'est pas la fille de ta soeur ici. J'ai dit, merde. Je regarde, elle avait les petits cheveux qui pendaient. J'ai dit que non, je ne suis pas sûr que c'est elle. C'est quand maintenant elle tourne à la tête. Comment on faisait le bruit? Parce que nous, on était dans les TikTok. On faisait les TikTok. Parce que là, son TikTok, moi, chez ma part. Faire là, on était à toi comme ça. Nous, on faisait les TikTok. C'est quand elle se tourne alors comme ça. Je dis que, elle me dit, maman, nounou. Oh, ça fait longtemps. Elle est venue de moi, maman, c'est. Yola a commencé à pleurer. Je dis que, mais. Donc, ce sont tes enfants. Je dis que, mais, tous les enfants là, ils sont nés dans mes mêmes. Peut-être que c'est les deux derniers. Même c'est la dernière, c'est que, qui était ici. Elle est déjà, que je ne connais pas trop. Elle était ici la dernière fois, avec sa maman. C'est quoi avec toi? Laisse les familles des gens tranquilles. Tu n'as pas de famille, maman. Dans les familles, on sort même souvent les couteaux. Même les haches. Moi, on reste une famille. Même si je n'ai pas les liens de parenté avec eux, ça fait quoi? Mais c'est ma famille, non? Quand ma soeur me dit que je baisse avec les chiens, ça fait quoi? Hmm? Toi, tu veux y aller, nous prendre le problème là. Ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, si Laetitia voit tonton Raymond, elle va pas aller, tonton Raymond va la chasser. Non, pas là-bas, pas là-bas. C'est la fin de... Il ne peut pas le faire. Ça ne se fait pas. Les enfants ont eu quoi voir? C'est vrai que je suis allé loin. Oui, j'ai insulté lui. Parce que toi, tu as insulté mes enfants. Parce que c'est toi qu'on envoie. Quand tu n'as pas d'enfant, moi, j'attaque les enfants de la personne qui t'envoie. C'est tout. Quand elle vient, hé, hey, la tante, je remercie les gens qui coupent les vidéos ici à Facebook. Parce que vous ne savez pas les travaux que vous nous faites faire. Vous nous faites voir. Mais sinon, j'ai coupé les vidéos. Continuez à couper les vidéos. Continuez à couper les vidéos. Il faut couper les vidéos. Parce que vraiment, l'histoire, c'est... Elle est énervée. Mon président va parler. J'ai dit que... Qu'il fallait qu'il vienne parler un peu. Le bourreau allait sortir sur lui. Il vient parler quoi? J'ai fait quoi? J'étais parti au dé. C'est que c'était quand on s'est raconté dehors. On est rentré dehors. C'est ça qu'on partait, que la petite la vient. On se dit au revoir. Moi aussi, je n'ai pas mon petit. Je connais comment ils se sont. Le petit truc que j'avais donné, c'est ma petite fille que va payer les bonbons. Hein. Elle me dit, elle a commencé à rire. On a fait des photos. Elle était très contente. Elle connaît bien Fleur de Lille. Elle connaît nous-mêmes. Elle connaît. Est-ce qu'elle ignore qui je suis? Maintenant, elle va aussi être populaire. Positivement. Vous voulez qu'elle a dit entrer dans les histoires des vieilles folles de une vieille folle comme moi, comme ton père, comme sa mère. Elle se bat tout seule. Son père alors où pour l'accompagner? Vous signez le contrat. Sa maman est où pour l'accompagner? Alors, elle se bat tout seule, elle est majeure. Si les filles, c'est ma première fille à quel âge? Ma deuxième fille à. Si ma deuxième, ma première fille à. Si ma deuxième fille a 29 ans cette année. Sa deuxième fille a 28 ans, ou 27 ans, entre 28 et 27 ans, oui. Si l'autre-ci qui joue là, a 23 ans, est-ce que ma fille a 24 ans? Si ma fille a 25 ans, l'autre-ci a 24 ans. Vous jouez à quoi? Vous ne connaissez même pas les enfants quand ils sont nés. Vous ne connaissez même pas l'histoire de famille. Oh, quelqu'un vient te raconter des histoires, comme mon père était marabout, machin supprimé. Tu vas dire ça.
Mon père, c'est un Aoussa. Celui qui a créé la sécurité nationale, c'était le directeur de sécurité nationale qui est devenu Interpol. Donc, me fie-toi. Je suis sa fille. C'est parce que quand je suis à Yaoundé, je suis un peu calme là, un peu distrait là. Me fie-toi, j'ai une grande famille à Aoussa que tu ne peux même pas t'imaginer comme ça. Une très grande famille à Aoussa que tu ne peux même pas t'imaginer. J'ai aussi des amis qui sont bien placés là-bas. C'est quoi ton problème? Moi, je me prépare ma route comme ça. Il faut laisser les problèmes. Tu pars partout. Quand tu as pris ta paix avec Amon la chèvre là, tu m'as vu parler à Facebook. Et tu m'avais vu parler. Je n'ai même pas fait RIC. J'avais encore mon compte influenceur pour vous être qui va sauver samedi là. Est-ce que je m'avais entendu parler? Comment tu dis que tu portes les rangs, tu copies au Tibia? Moi, j'étais un Tchouko au Tibia bien. Il y a eu la paix entre moi, Lolo et Flore. Et j'ai décidé que les deux, là, je les gêne plus. Je les insulte même plus jamais. Si elles font quelque chose de bien, je partage dans mon mur. Si elles font quelque chose de bien, elles partagent dans leur mur. Ça va se passer comme ça maintenant. Je ne veux plus les insulter. Après, c'est toujours moi qui commence toujours. Et je te l'ai dit. Toi, tu veux ta paix là-bas, donc tu as besoin de faire ta paix. La femme a fait quoi? C'est moi qui ai filmé. Tu vas vite filmer quelque chose là-bas. Tu ne veux pas associer ton image. Maman, je veux qu'on associe mon image avec les filles du Champs-Élysées. Moi, je suis fan de Champs-Élysées. Associer une image avec une voleuse sidéienne, gonococie, syphilis, c'est que tu as toutes les maladies que tu as. Qui va s'associer avec ton image? Même les yeux, tu as la myopie, maintenant, tu mets les lunettes jusqu'à que tu vois maintenant que ces yeux sont un côté là-bas, un regard de Garoua, l'autre regard de Maroua. Attendez. Tu veux quoi avec qui? Voilà Thierry qui a pris ta page. Thierry a pris ta page. Maintenant, même ta page avec le nombre de vues que tu as, le nombre de partages que tu as, tu n'arrives même pas à atteindre 8000 abonnés. Angosa. Et c'est elle qui vient ouvrir son clapet sur moi. J'ai dit que toi et moi, dis-moi une fois une place. Bon, mais Walos, je sors de TikTok. J'ai fini ici. Toi et moi, c'est. Manu m'a dit, mais tu overweight. Manu siga, mais tu overweight. Moi, boy bon, mais tu overweight. Maïe, quoi, dit, te lâche pas dans Yota. Il va te montrer que je te mets. Comme j'ai d'abord tapé ton dos sur là. J'étais encore fait ça. Dim. Alors là, Dieu avait moi. C'est des craquages. Même. Tu as vu la réconciliation des Yamsers. Les Yamsers. Maman, ça peut te tuer. Non seulement que. Tu n'as pas pu dormir. Et en plus de ça, comme l'enfant de ton président, qui vient saluer qui? Celle qui l'a insulté. La veuve joyeuse. Maman, tu pouvais mourir. Ta haine va te consumer. Maintenant, tu prépares tous les jours. Parce qu'on t'envoie les PayPal. Parce qu'avec PayPal, tu peux tirer l'argent quand tu veux. Maintenant, tu es maintenant avec PayPal. Tu prépares maintenant tous les jours pour montrer que tu manges aussi un peu. Tu vois, tout le monde n'est pas pareil. PayPal ou sans PayPal? Agent ou agent? Moi, je mange chaque jour. Je bois mon vin. Je fume chaque jour. Donc, va te mesurer aux gens qui sont de ta classe. Pas avec moi. Tu ne me connais pas. En tout cas, on est ensemble. Bonjour, mes Walous. On est ensemble. Camélia Perez. Big up. À bientôt. Adèche Soko. Big up. Tout le monde. Je vous embrasse. Puis bon. Ange Love. Tout le monde qui est là. Vous êtes nombreuses. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Moi, je vais dormir. Je vais réclamer mon argent à la banque. Tu entends? Je ne suis pas la poste, moi. Je suis la CIC. Bonne journée. Black Beauty. Je t'aime beaucoup. On s'appelle. Bisous.